Thank you.
D'avoir été choisi pour arbitrer ce match. Comment dire, c'est pas tous les jours que les arbitres sont mis en avant, donc aujourd'hui c'était juste une fête pour tout le monde. Entre arbitres, joueurs, tout le monde était là pour participer à ce magnifique spectacle qui représente la fête du basket ici à Mayotte. Donc c'est tout un honneur d'avoir été choisi. Thank you.
All-Star Game 2007. Pour moi, c'est bien déroulé. Ils ont bien organisé. Merci à BSM, ils ont bien organisé. Moi, j'ai participé au concours à 3 points. Malheureusement, je finis deuxième. Mais bon, Inch'Allah, l'année prochaine, on en recommence. J'espère que ça sera encore mieux. Le basket maoré ne cesse d'évoluer. Tous les jours, on voit de très belles choses. Du coup, j'encourage le sport maoré. J'encourage le sport à l'avenir, quoi. Franchement, cette année, ça a été très, très, très bien par rapport au cas qu'on a fait venir de Métropole. Parce que l'année dernière, les publics, ils n'étaient pas contents, ils étaient un peu déçus. Mais cette année, les récompenses, franchement, ça a été quoi. Franchement, l'ambiance était là. Et l'ambiance était là et puis je suis sûr que le public et ceux qui étaient à la maison, ils ont été contents, bien servis par rapport à cette année, en espérant que l'année prochaine, on va encore faire plus que ça, quoi. Bah là, on vient de faire le show pour le All-Star Mayotte et belle ambiance. Franchement, on a fait des belles salles dans le monde, comme je le disais. Mais moi, personnellement, c'est une de mes meilleures expériences. Il y a une ambiance de folie. On sent que ici, le basket a une vraie place importante. Et on a vraiment, vraiment apprécié le show aujourd'hui. Ouais. Ah, y a pas de talent caché pour le basket acrobatique. C'est un peu de basket, un peu de gym, un peu de folie aussi, parce qu'il ne faut pas avoir peur de partir dans les airs. Il faut être un petit peu fou et quand le mélange prend bien, bah, ça donne ce que vous avez vu et nous on s'éclate à faire ça et aujourd'hui on a la chance d'être ici à Mayotte. C'est une vraie opportunité de montrer une autre façon de faire du basket, donc on est vraiment content. En fait on a la chance d'être aujourd'hui à Mayotte mais on tourne partout dans le monde. Les Crazy Dunkers, ça fait plus de 15 ans que ça existe. On a eu la chance de faire 3 Jeux Olympiques en tant qu'animation. On a fait des plateaux de télé, le plus grand cabaret du monde par exemple. Et aujourd'hui, on est à Mayotte et donc on voyage partout avec nos trampolines. Bah, c'est un super spectacle. Ils font plaisir aux jeunes, ils font plaisir aux gens. Et ça fait promouvoir le basket à Mayotte. Ce soir, ça a été un plaisir de partager des bons moments entre les deux sélections, de la Grande Terre et la Petite Terre. Donc le spectacle y était et voilà, tout s'est bien passé, on est content. Voilà, on a gagné. Ça fait plaisir. Chaque année, le public est toujours au rendez-vous. Et chaque année, l'équipe qui organise cet événement innove. Et ça fait que le public est là. Le public est toujours chaud. Donc l'année prochaine, il va falloir encore venir. Et je pense que ce sera encore plus chaud. Là, c'est la deuxième fois consécutive qu'on remporte ces trophées. Nous deux, donc on est contents. On espère que ça va continuer. On sera toujours là à nous donner à fond jusqu'au bout. Et on est vraiment contents pour ce soir. Bah à chaque fois c'est une super organisation, c'est un super spectacle. Là cette année on a eu les Crazy Dunkers là, qui ont fait des trucs incroyables avec les trampolines. Franchement chaque année, moi l'année dernière j'avais regardé, cette année je participe mais c'est pareil en fait. C'est tout aussi intéressant de participer, de regarder. Les gars sont fous. Alors on a des clowns dans chacune des équipes. Le principal c'est que le public s'amuse et puis s'il s'amuse, bah on a gagné quoi. Ah non, jamais déçu. L'organisation est au top, on a des super partenaires. Voilà, la musique est dingue. Franchement, rien à dire. Nous sommes à la fin du All-Star Game. Ça a été le show du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, vous le voyez. Les joueurs, le spectacle, le public, tout le public était là pour le show. Encore merci à vous. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un meilleur show. À très vite. Peace. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.